le tunnel sous la Manche. Florian Gazan pour terminer. Gabriel, l'association 30 millions d'amis attaque le président Emmanuel Macron en justice pour avoir fait l'apologie de la violence sur les animaux en arborant le fameux t-shirt avec un chat éborgné. Ah, ça c'est pas bête. Oui. Gabriel, à votre avis, qui dit la vérité? Qui vous a éliminé? Valérie Mérès. Ah, très bien. François Rollin aussi. Ah, François Rollin, Édouard Philippe. Ah, vous pensez que je ne peux pas être Edouard... sur la liste? Je ne pas trop. Je me mêlais à... Non, Édouard Philippe est un fin politique. Il sait bien que s'il mettait Ruquier sur sa liste, c'est perdu. Oh, bah dites donc, je vous remercie. Je pense plus que ce serait un danger pour lui. Alors après, Péroni, je dis non. Enrico Alain, vous n'y croyez pas? Non. Joli, non, pourtant. Il vous reste Gazan, Beaugrand, Diamant. Gazan, Beaugrand, Diamant. Je ne sais pas. Bah, allez, Gazan. L'association 30 millions d'amis qui aurait attaqué le président en justice. Oh. Ah, attends, elle est peut-être pas sûre de sa réponse encore. Gabriel. Non, mais là, c'est perdu. Hein. Ah, oui, c'est perdu. Bah oui, c'est perdu. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris là d'un coup? Bah, je sais pas, je suis. Vous êtes troublée par moi? Elle n'a pas envie de laisser ses enfants et partir en week-end avec son mec. Il n'y en avait qu'une vraiment réaliste. Bah oui, parce que franchement, la Chine qui avance le carnaval pour que tout le monde porte un masque, c'était quand même pas très crédible. Non, mais c'était juste un gros jeu de mots pourri. Bah oui, la vraie information, c'est que l'étape chinoise de la Coupe du Monde de ski, prévue mi-février donc en Chine, a été déplacée en Autriche. Ça, c'était la vraie information. C'est Caroline Diamant qui vous disait la vérité. Aïe, 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 aïe. Ah bah oui, on va vous offrir une montre RTL. Bah oui. Depuis tant que j'en entends parler, je saurais maintenant à quoi elle ressemble. Voilà. Si vous faire rajouter, je vais vous donner aussi un almanach des grosses têtes. Ah, c'est gentil. Ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir encore? Qu'est-ce que vous voulez? Chrétien Bonfieux. Ah, bah, j'ai pas osé, mais... Vous connaissez pas Chrétien Bonfieux? Non, c'est dans la Somme. C'est dans la Somme. Je sais toujours pas où c'est, mais... Car on peut vous envoyer du comme j'aime, peut-être. Ouais. Ah, je veux bien. Ah, ça marche. J'y crois pas trop. Vous pouvez rigoler, mais j'ai été pesé par un huissier au début. Non, non, mais enfin, est-ce que c'est bon? On peut pas mentir sur la pub, excusez-moi. C'est bon? C'est bon, oui, c'est bon, je l'ai mangé pendant 6 mois. Elle a, en même temps, la bonne appétit. Ouais. Non, c'est pas vrai. T'as tout mangé d'un coup ou... Attendez, vous avez été pesé par un huissier? Ben oui, parce que justement... Mais il est long, alors. Je veux pas le faire, rien de savoir ça, qu'il y a un mec qui va regarder combien je pèse. Cet été, quand on est parti en Afrique, on a fait ah oui, tour en hélico. Et là, on me dit, il faut qu'on te pèse. Oh là là, j'ai failli dire renoncer au tour en hélico. Je me souviens. Pourquoi te peser avant? Parce qu'ils ont besoin de savoir le poids.